Bienvenue pour cette seconde phase du tournoi, celle des matchs couperets et des rencontres aller-retour. La tension est montée d'un cran, l'intensité aussi, que ce soit dans le regard des joueurs qu'on a croisé tout à l'heure, à la sortie de l'échauffement ou dans les chants qui descendent des tribunes. Je peux vous dire que ça fait des heures que ces supporters se mettent dans l'ambiance. Ils sont carrément bouillants à l'heure qu'il est, et nous aussi, pour être honnête. Nous sommes bien entendu dans l'un des stades les plus célèbres des Pays-Bas, la Johan Cruyff Arena. Et voici l'hymne national de la Bulgarie. Quelle émotion pendant ce premier hymne, écoutons le second. On sent que l'ambiance aujourd'hui est bien différente de celle qu'on a pu vivre en phase de groupe. Je suis d'accord, mais c'est surtout un plaisir d'assister à ces rencontres. Je trouve que l'atmosphère est différente, plus chargée en émotion. Et puis, soyons honnêtes, on aime la phase de groupe. Mais les matchs dont tout le monde se souvient, ce sont ceux d'élimination directe. Et c'est parti! C'est joué long. Il ne se pose pas de questions. C'est joué dans l'espace. Quel jaillissement! Ouf, un peu d'air. C'est sorti, il y aura une touche. Lustig. Berg. Le ballon dans la peau. Allez, c'est dangereux! Il n'a pas tremblé. Formidable. Premier but pour la Suède. Quelle puissance, c'est spectaculaire aussi. Alors là, c'est tout simplement beau, dans l'intention et dans la réalisation. Les voilà donc devant, c'est un but qui vaut cher. Ils n'ont pas tremblé pour cette grande première, ils ont repris leurs bonnes vieilles habitudes. Berg, quel timing dans l'interception. Popov. La Bulgarie qui cherche l'ouverture. Un long ballon vers l'avant. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. La Bulgarie qui exploite bien les côtés quand même. Oui, surtout devant. Devant, mais vous pouvez nous décrypter tout ça, Darren. Oh, quel superbe arrêt d'Olsen. Et le gardien est présent. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi je la voyais dedans. La Suède qui peut avancer. Allez. Ça sent la frappe.
bien serré. Oh, la frappe! Pas loin, mais ça ne rentre pas. Eh bien, dis donc, c'était chaud. Et il jaillit pour prendre ce ballon. La passe dans la profondeur. À la régulière, il est battu. Joli tacle. Ce ballon bien dosé. Bonne interception. Il y avait danger. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. La passe en retrait vers son défenseur. Sébastien Larsson. Ça va sur l'aile. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Popov. La bonne passe. Il relance côté droit. Bonne intervention, il y avait danger. Oh, quel temps de sa chance! C'était presque au fond! Ah là là, pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. Lindelöf. Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce bon début de match. Il mène donc 1-0. Bonne lecture de la trajectoire. Oh, le contre, l'arme fatale. Le jeu repart vers la droite. Ça revient dans l'axe. Dans la profondeur. Il tente de la jouer dans l'espace. La frappe. La parade. Magnifique. Ça, c'est magnifique. Chapeau. Dans la profondeur. Et c'est récupéré encore une fois. Il allonge vers l'avant. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Une très longue passe. Il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. Ça joue long vers l'avant. Le bon dégagement. Long ballon dans le sens du jeu. C'est joué long, attention. En retrait vers son gardien. Le gardien loin devant. Encore une passe mal assurée. Il faut être plus précis. En retrait pour repartir proprement. C'est déjà la pause. J'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. Les deux équipes regagnent donc le vestiaire avec ce petit bout d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Et il mérite de mener à la pause. Le public est satisfait. Il faut qu'il continue comme ça. La Suède, qui est donc devant, à mi-parcours dans cette rencontre, avantage d'un petit but. Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. Un petit but d'avance. Ils font la course en tête pour l'instant. Sébastien Larsson. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Attention, la frappe. Et quel manque de réussite sur son tir. Voilà un joueur capable d'expédier des boulets de canon sans aucune préparation. La défense pourra intervenir beaucoup plus rapidement.
Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Popov. Quelle occasion. Attention. L'arrêt splendide. Oui, il était bien concentré. Bravo. Il cherche la profondeur. Le ballon s'en retouche. Il est à distance de tir. Faut tirer là. Oh, quelle parade! Le gardien a quand même fait une très bonne parade. Popov. Une nouvelle intervention. Bien, la profondeur. La Suède qui mène d'un petit but. Allez, il faut faire plus pour se mettre un peu à l'abri. Et ils essaient de repartir de derrière. Une longue passe. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Oui, c'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise. Sébastien Larsson. Longue ouverture sur le côté. Allez, ça peut faire mal. La Bulgarie qui tente de belles choses là. Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudents, non? Indeed, Grégoire, indeed, en effet. La Bulgarie qui procède à un changement dans cette rencontre. S'il le trouve, Berg, qui a déjà démontré son talent de buteur dans cette rencontre. Il est passé. Oh, la frappe! Ça ne passe pas. Il peut frapper. Hors jeu, apparemment. C'est l'occasion de procéder à un changement. Tout lui a réussi aujourd'hui, un match presque parfait. Il a bien mérité d'aller se reposer sur le banc. C'est un public de connaisseurs. Il salue sa sortie comme il se doit. Le long dégagement du gardien. La passe en profondeur pour Guidetti. Une très grande ouverture. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre? Beaucoup d'occasions, mais toujours un seul but d'avance. Le gros dégagement. Ça peut être extrêmement dangereux. Et récupération au sens livré. C'est allongé. Oh, le bon ballon! Il y a peut-être un coup à jouer. Ça peut être dangereux. Il marque. Ça fait maintenant 2 buts d'écart. Oh, il était bien placé ce ballon, tout simplement imparable. Oh oui, super tir. Et c'est donc un changement. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Ils vont sans doute être plus détendus maintenant. Et qui sait, peut-être même prendre le large. C'est joué dans la profondeur. Bon
service dans la profondeur. Il s'impose physiquement dans ce duel. Ce contre peut très bien aller au bout. Le bon dribble. C'est le moment de centrer. Ce ballon dans l'axe. Et le centre dévié par le défenseur. Ce sera un corner. L'arbitre revient à la faute et décide de l'avertir. Premier corner dans cette rencontre. Guidetti, la bonne parade. Nouveau but dans ce match. 3 buts d'avance, la fête semble être pliée maintenant. Le gardien n'a pas pu capter le ballon sur le premier tir et il l'a payé cash. Mais il faut communiquer dans ce genre de situation. Messieurs les défenseurs, vous êtes à la rue. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Ce nouveau but vient récompenser tous leurs efforts et je dois dire, c'est mérité. Il ne résiste pas au contact. Il cherche son coéquipier. C'est bien fait ça. La longue passe. La frappe ! Quelle intervention ! La contre-attaque était superbe. Il a juste manqué le dernier geste. C'est une remise en jeu. Va-t-il en prendre la frappe ? Attention ! Oh non, qu'est-ce que c'est que cette frappe ? C'est récupéré. C'est joué long. En la profondeur, bien vu. On joue sur l'aile, il est servi. Il cherche un coéquipier. Danger écarté. Sébastien Larsson. C'est osé. Ça joue long. Il y aura 4 minutes de temps additionnel. C'est joué long, c'est dangereux. Le bon ballon. Il est bien placé, il tente sa chance. Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. Ça, c'est fait. Dites-nous, Darren, ce que vous avez pensé de ce match. Il y a eu tout dans ce match. Des occasions, des duels. On s'est régalé. J'aimerais pouvoir commenter des matchs comme ça, mais tous les week-ends. C'est la fin de cet après-midi football. On s'est régalé tous ensemble. Et merci à vous, Darren, d'avoir été avec nous. Merci à vous, mon cher Grégoire.